Je rappelle que Nicolas Villermouf était champion du monde cadet en 2004, champion du monde par équipe en 2006, troisième au championnat du monde junior en 2007. Il fait partie des 10 meilleurs au monde depuis 8 ans, avec un classement en 2012, quatrième mondial. Ça devrait vous rassurer. Là, c'est roue arrière, saut sur la roue avant, saut sur la roue avant. Transfert, jump, concours et saut en hauteur et en longueur. Jeu avec le public, figure acrobatique. Et là, c'est le moment le plus délicat. On peut applaudir très très fort, Nicolas, s'il vous plaît. Je rappelle qu'il a été champion du monde par équipe en 2006, champion du monde cadet en 2004. Il fait partie des 10 meilleurs au monde depuis 8 ans. On peut l'applaudir encore, s'il vous plaît. Et puis, bah, alors, félicitations à vous qui allez vous marier. Au revoir. Au revoir, les gars. Au revoir. Quand on peut rendre service. Merci, Nicolas. Interview. Nicolas. Allez, on va faire une petite interview de Nicolas en direct sur la page Facebook de Comcom TV. N'hésitez pas si vous avez Facebook. Nous sommes en direct. C'est systématiquement toujours tout sur les jambes, puisqu'il n'y a pas de selle. C'est de l'équilibre, c'est pas du cirque, ça pourrait ressembler. Oh. Il y a à peu près entre 1 mètre et 2 mètres entre chaque obstacle. Vous pouvez bien sûr découvrir toutes les vidéos sur YouTube, sur la page, vous tapez Nicolas Villermo sur YouTube et vous verrez des démonstrations extraordinaires qu'il fait un petit peu en France et en Europe aussi, je crois, hein, Nicolas. Partout, on a besoin de lui, voilà.
Miguel. Ceux qui ne sont pas là et qui regardent la page Facebook en direct. On va se mettre devant. Allez, on va se mettre devant, Nicolas, si tu veux bien. Récupère tranquillement. Voilà, c'est ce que ça donne après une épreuve pareille. Ça ressemble à ça. La chaleur. Ouais, c'est très chaud. Ça pique. Nicolas Villermo, s'il vous plaît. On peut applaudir encore une fois très très fort pour ceux qui sont là et qui vont arriver avec les Ravers tout à l'heure, 10e année du Red Sénon. En attendant, Nicolas, c'est toi la vedette aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ta carrière, tes championnats, de tout ça? Ben voilà, là je suis un peu sur la fin de ma carrière, enfin de la reconversion on va dire, parce que là, j'ai 29 ans maintenant. Et... C'est vieux 29 ans dans ta discipline? Non, c'est pas vieux, c'est juste que financièrement ça devient compliqué. Donc forcément, il faut vivre, il y a une maison, il y a tout à payer. Donc voilà, après, on ne gagne pas d'argent au haut niveau. Donc après, il faut faire différemment. Je fais beaucoup de stages, beaucoup de démonstrations qui, certes, me permettent de vivre, mais je ne peux pas m'entraîner à côté. Donc le haut niveau, c'est 2 ou 3 entraînements par jour toute la semaine. Donc je ne peux plus suivre ce rythme. Donc voilà, je préfère aider les jeunes pour pouvoir se développer, faire découvrir le sport parce que c'est un sport qui n'est pas connu. Et comme ça, avec les démonstrations, les stages, ça peut donner envie à certains de pouvoir s'essayer. Après, voilà, je suis rentré dans un club de VTT sans connaître le trial, et c'est eux qui m'ont fait découvrir, et c'est depuis ça, depuis 8 ans que je suis sur le vélo. Alors évidemment, quand effectivement tu es en pleine, d'abord, mutation de carrière, mais aussi tu es dans la transmission auprès des plus jeunes, etc. Mais tu dis qu'il te fallait 2 ou 3 entraînements par semaine pour la haute compétition, mais pour faire ce que tu... Pas 2 ou 3 heures par jour, pardon. Ah ouais, d'accord. Et pour faire ce que tu fais là maintenant, justement, pour les démonstrations, il faut que tu restes en forme. Après, oui, pour moi, là, c'est pas dur. Le but, c'est vraiment de montrer des choses jolies, que ce soit facile et esthétique. Après, le haut niveau, ça n'a rien à voir, c'est encore beaucoup plus impressionnant. Mais déjà, là, ça, ceux qui ne connaissent pas, ça leur permet d'en profiter, de, je pense, avoir une bonne image du vélo. La première chose que tu dis justement à un jeune qui veut faire des premiers obstacles, tu lui dis quoi? Le plaisir et la persévérance. C'est un sport qui est très compliqué, on apprend par l'échec, donc c'est très compliqué. Après, quand on est motivé, on arrive à tout, donc tout dépend de si on est motivé et passer des heures et des heures pour y arriver. Quand tu dis l'échec, c'est faut tomber. Ouais, tomber ou mettre les pieds par terre, parce que nous, on ne doit pas mettre le pied. À l'entraînement, la moitié de tout ce qu'on essaye, on n'y arrive pas. Le but, c'est d'essayer plus dur, et petit à petit, on y arrive. Donc, c'est petit à petit, on arrive à progresser centimètre par centimètre. Et grâce à ça, on peut arriver à progresser dans le classement. Mais après, voilà, c'est des heures et des heures. Hein. Alors, tu fais des démonstrations, justement, lors des manifestations sportives ou autres. On peut te retrouver où prochainement? Là, la semaine prochaine, on a une course à Cerny qui est dans l'Essonne. Et après, le circuit national va reprendre à partir de juillet. Donc, ça me laisse un peu le temps de m'entraîner. Là, j'ai pas eu trop le temps de m'entraîner. Donc, voilà, l'été va arriver, j'aurai un peu plus de temps. Et justement, pour essayer de faire encore quelques performances sur les courses. Mais j'arrête l'international parce qu'on a beaucoup de courses trop loin. C'est un budget de 15 000 euros l'année. Donc, c'est dur à trouver maintenant. Donc, payer sa charge, ça devient dur. Alors si vous êtes, si vous nous entendez ou si vous nous regardez sur la page comme suite Facebook, vous êtes partenaire, n'hésitez pas. Nicolas, si vous voulez le sponsoriser, lui permettre de continuer, en tous les cas, de vivre, ou du moins d'essayer d'en vivre de cet art, on peut te rejoindre sur ton site internet. Site internet, Facebook, Instagram, un peu tout pour le faire, mais facile à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Et ben voilà, évidemment c'est que du plaisir. C'était Nicolas Villermo, s'il vous plaît, vous pouvez applaudir très très fort. Merci Nicolas. Thank you.
Parce que des fois, il joue avec tellement, parce que je le connais celui-là, il joue avec tellement voilà, de monde et de formation, c'est pour ça que je posais la question. Le groupe Air de Rien, un petit peu d'histoire, c'est d'où vient cette idée, et je sais que c'est un groupe de potes d'abord et avant tout. Eh bien, tu poseras la question à lui, ça sera pas mal. D'accord, donc, le groupe Air de Rien, c'est d'abord un groupe de potes. Alors, oui, nous sommes une bande de potes et on s'éclate. D'autres questions? Non, je crois que je vais m'arrêter là quand je vois les réponses. On ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt vous écouter jouer, les garçons. Merci à vous, on applaudit très bien dans le air de rien, s'il vous plaît. Et Miguel au micro, bravo. La chance, c'est que chez nous, deux jours. Tu fais le tour là. Vous pouvez foncer vos VTT là-bas, boire un petit coup. Ah, je croyais qu'il passait par là. Et ouais, on vous donne une carte pour remonter à Paris. Vous êtes venu à la voiture. Bah oui, quand même. Il y a des douches à la Paris. Ouais. On va pas se regarder. On va direct. Ouais. Est-ce que manger là-bas? Ouais, mais là tu peux manger. Ouais, tu manges un petit truc. Bah, parce qu'ils n'ont pas suivi le roadbook, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que c'est les premiers qui sont arrivés? Un décrochement, oui, c'est un tout bon. Ah, d'accord. Attention, ça arrive de partout. Là, je crois qu'il y a un petit souci. Vous avez pas. Ah, salut les gars. Alors, les prénoms. Bruno et Paul. Bruno et Paul. Alors, vous venez d'où? Besançon. Alors, vous êtes arrivés les premiers là. Est-ce que ça veut dire que peut-être vous avez gagné? Peut-être, on verra. Est-ce que vous avez été bon justement sur les points, tout ça? Il y a eu un petit coach commercial. On a tout pris donc en principe ça veut dire. On a tout pris donc ça devrait être bon. L'aventure, comment elle s'est passée? Génial, vraiment un raid magnifique, super bien organisé, des parcours sans sas, des bénévoles partout, que des sourires toute la journée, grand soleil, pas trop chaud. Royal, ça peut pas être mieux. On le met au calendrier pour l'année prochaine, on sera là. Et ben alors voilà, alors après 104 équipes l'année prochaine, on aura peut-être 110 parce que cette année. Allez-y, hein, messieurs. Merci. Encore bravo à vous. Cette année, c'est 104 équipes, 208 raideurs. Et l'année prochaine, et ça monte, ça monte. Chaque année, il y a plus de participants sur ce raid qui se promènent à peu près sur, je crois, une dizaine de villages autour de Sens. 11 villages autour de Sens. 80 km. Bravo à vous, ça y est, c'est que le début de la fin, la fin du vélo, c'est là-bas. Du raid et le début des douleurs dans les jambes. Comment ça va? Il vient d'où Ludovic? De l'aube. De l'aube, vous voyez, ça vient de partout à Sens, ça c'est bien. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Le meilleur moment de la journée? Toute la journée. Toute la journée, ouais. Un moment quand vous étiez dans l'eau peut-être? Ah, ça fait du bien là. Ah, ça fait du bien là.
Bravo à vous, félicitations. Voilà, c'est l'arrivée donc du 12e. Red, c'est long. C'est 104 victimes. Combien de bénévoles, Jacques? Non mais c'est vrai, t'es en train de faire ton raid. On me casse pas les couilles. Je suis un peu comme toi. Moi j'aime pas comme les couilles. C'est pour ça que j'aime bien faire les ultras parce que je suis pas mon ami. S'il vous plaît, l'équipe 40. Voilà, donc là vous avez vu les 10 ou 15 premiers qui sont arrivés, je crois. Danser si vous avez envie de danser. C'est bon, 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 c'est bon,
peux la tenir pendant 2 minutes. Bien sûr. Il est malin. Hein. Un coup à toi. Bonne journée à vous. Moi je suis satisfait. C'est à eux qu'il faut demander. Bah j'ai rien demandé, c'est sympa. Le pointeur. Voilà. Et après tu vas la jec, vider ton bois. Ouais, donc c'était vraiment sympa. Ah non, il nous a dit, il y a des gens qui sont partis, ils sont y allés, vous arrivez en premier alors. Du coup, on a speedé, on a redoublé les gens. N'oubliez pas qu'on arrive. N'oubliez pas de pointer en arrivant. Bravo. C'est l'arrivée d'équipe 35. Ça y est. Chaud patate, l'équipe 35. Hein. Bravo, bravo. L'arrivée de l'équipe 103, qu'on peut applaudir très très fort, l'équipe 60. Divino de l'équipe 63. Et le deuxième arrive. Voilà, le pointage. Et c'est la fin de ce même. C'était assez costaud, mais c'était 5 km, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, super. Jusqu'au bout. C'est un moment où on peut se rafraîchir, les égaux de pêche. Voilà, avec l'eau, c'est bien. Bravo à vous, l'équipe. Merci. De 63. Oui, on va encore laisser quelques... Nicolas, il va bientôt faire un peu chaud. Oui.
L'équipe 98 qui vient d'arriver, Nicolas Villarmo qui va refaire une démonstration de dingue, vous allez voir, un trail sur les obstacles. Et on est toujours avec le groupe Air de Rien. Qui va se remettre à vous faire une démonstration. Une démonstration de VTT trial. Si vous ne connaissez pas Nicolas, il a été champion du monde cadet en 2004, champion du monde par équipe en 2006, troisième au championnat du monde junior en 2007. Il a fait aussi partie des 10 meilleurs mondiaux depuis 8 ans avec au meilleur classement 4e mondial. Voilà, il a arrêté sa carrière en haute compétition pour aujourd'hui nous offrir des démonstrations sur toutes les manifestations sportives ou autres d'ailleurs qui se passent en extérieur et même en intérieur. Moi je l'ai vu faire des choses extraordinaires en intérieur. Donc c'est tout dans les bras, tout dans les jambes, et évidemment le plus important, la concentration, donc dans la tête. Il peut vous faire des roues arrière, des sauts sur la roue avant, des sauts sur la roue avant. Transfert, alors des transferts d'un obstacle à un autre. Des concours de saut en hauteur et en longueur. J'ai joué aussi avec le public, avec des figures acrobatiques. Alors évidemment, les enfants qui regardaient, ne faites pas ça à la maison, ou alors assurez-vous d'avoir fait quelques cours, en tous les cas, quelques exercices avec des gars comme Nicolas. N'ayez pas peur. Il ne devrait pas tomber dans l'eau. En même temps, s'il tombe, il a pied. De la poutre. Là, il y a 10 cm de poutre, ça fait casser. Et hop, 2 mètres entre 1 mètre et 2 à 2 mètres entre chaque obstacle. Je descends les escaliers. Voilà comment il descend les escaliers, Nicolas, chez lui. Ça va être beau, hein. Le saut sur la roue arrière, arrivé sur la roue avant, roue arrière, et hop, on applaudit très très fort, s'il vous plaît, Nicolas Villarmo. Et quand tu veux, Nicolas, choisis quelqu'un dans le public, il n'y a pas de problème. Cher Raynor, pour ceux qui veulent partir à Paron,
faut suivre le gars avec le maillot orange si vous voulez repartir. Nicolas, tu veux un volontaire éventuellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir faire un truc assez sympa avec Nicolas, monsieur, peut-être? Non? Vous allez voir, c'est extraordinaire. Qui c'est qui veut s'essayer? N'ayez pas peur. Ah, Raider, l'équipe 103. Parfait, très bien. Quel est ton... c'est quoi ton prénom? Auguste, tu viens d'arriver. Tu vas te faire 80 km avec le maintenant. Ça a été? Ouais, très bien. Il a fait un peu chaud, ça a été. Bon, bah super. Bah, écoute, Auguste, regarde. Il y a Nicolas qui va s'occuper de toi. Regarde, une petite serviette de plage pour que tu récupères. Voilà, donc Nicolas, qu'est-ce qui va se passer là? Tu vas s'allonger, bien coller les pieds, bien coller les mains du corps. Tu poses la tête et tu bouges. Et tu laisses faire Nicolas. C'est de la récup. Voilà. Alors surtout, je te conseille d'ouvrir les yeux, parce que c'est le plus sympa, tu vas voir. Et je pars en connaissance de cause. Madame est dans le coin, Auguste? D'accord. Moi, je dis ça, je dis rien. Par équipe en 2006, troisième au championnat du monde junior en 2007. Il fait partie des 10 meilleurs mondiaux. Il a été classé quatrième il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, merci, on l'applaudit encore très très fort. C'était Nicolas Villermo, s'il vous plaît. Voilà, et gentiment, les raideurs arrivent après 80 km. À travers l'eau, la campagne, la route, les chemins. Avec tout ce qu'on a fait, 42 courses. Et là, ils vont repartir gentiment pour ceux qui sont arrivés à Paron, qui est le QG. Alors, à Paron, c'est au stade. Moi, j'ai traîné à Paron. Une petite Pierre Thomas Riquet qui va vraiment les réconforter, leur faire du bien. Et ensuite, dîner et remise des prix. Et ben voilà, et ben je crois que. C'est bon. Avec Miguel de Côte-Côte TV pour animer. Voilà, il y a l'équipe qui arrive. Voilà, il y a une équipe qui arrive tout doucement, mais sûrement. Qu'on va pouvoir applaudir très fort. Il s'agit de l'équipe 84. Faut passer l'arrivée, l'équipe. Et pointer. Félicitations à vous, les gars. Bravo. Oui, oui. Oui, je vous avais vu. Ah, si vous êtes amateur de raid, n'hésitez pas à l'an prochain à vous inscrire. Au 13e raid, c'est donc. Il en aura évidemment un 13e.
vraiment qui ont le plaisir. Ouais, c'est long. Donc si ça vous intéresse, avec un copain, une copine ou deux copines, des copains, ils ont envie de vivre l'aventure, n'hésitez pas. L'équipe 053, l'équipe 038 qui vient d'arriver, qu'on peut applaudir, les équipes 031, c'est fait, bravo, félicitations à vous messieurs dames. L'équipe 037 et 31. N'oubliez pas de vous faire pointer en arrivant. Ça va? Allez. C'est quoi le prénom? Albin. Albin, alors dans quel état tu te sens là? Fatigué, épuisé, j'ai eu deux bouts de peau à la place des jambes. J'invite tous les Seulonnais à venir faire cette course magnifique. Les organisateurs sympathiques. Quel a été le moment le plus dur et le plus facile? Le plus dur, c'est facile, c'est quand on se trompe et qu'on fait deux fois plus de kilomètres que ce qui est prévu. Là, le moral chute, les gens ne suivent plus et on pleure. Et le plus facile? Le plus facile, la descente. La descente, merci à vous et encore bravo. Mais effectivement, si on se trompe, ça fait quelques kilomètres en plus. Voilà, on peut applaudir l'équipe 094, l'équipe 48, l'équipe 2, l'équipe 62, n'oubliez pas de nous faire pointer les équipes. L'équipe 46, bravo à vous. On peut voir dans leur visage le soulagement de cette arrivée. Alors ça vient de partout, hein, ça vient même de l'étranger. Les compétiteurs, je crois qu'il y a une équipe qui vient d'Hollande, d'Irlande. Il y a un compétiteur qui vient d'Irlande, il y a une dame, je crois, qui vient d'Allemagne, on a des Belges. Et puis je sais plus. Et puis je sais plus. Bah, alors justement derrière arrive le président. Alors, arrive enfin bref, un des présidents. Voilà, mais moi je suis paumé, moi vous me perdez, je vous vois tout le temps tous les deux. Vous êtes président tous les deux pour moi. Voilà. Alain, t'as couru toute la journée? Ouais, c'est clair, ouais. J'en peux plus. C'est plus dur que le raid. T'es garé en plein milieu du chemin. Ça te dérange? Tiens, ça c'est Alain. Ouais, ouais. Alors Alain, cette journée? Ah, génial. Génial, super, beau temps. On était dans les temps, un petit peu de retard, 45 minutes de retard par rapport au timing. Mais bon, c'est pas grave, il est 19h, il fait beau. Tout le monde s'est éclaté, il n'y a que des sourires, un peu fatigué à la fin, mais globalement, que des sourires, les gens qui disent merci, c'était super. Et même Bruno Girard, qui est celui qui organise le Trip Renendo depuis des années, qui est un gros raid, il nous dit, putain, mais vous êtes complètement dingue, mais c'est super bien fait, vos roadbooks qui sont vraiment de très très bonne qualité. Donc il a dit, moi, je remets ça dans mon calendrier, hein, tous les ans, je veux dire, c'est incroyable. C'est effectivement incroyable, nous, pour l'avoir fait avec vous l'année dernière, on ne pouvait pas faire autrement que d'être là cette année, évidemment. Moi, je me rappelle, on en parlait tout à l'heure, de ta fameuse palette des bidons pour faire son radeau. Il nous a expliqué l'anecdote. Toi, quel est ton souvenir à toi de cette anecdote? Du fait qu'on ait utilisé les palettes des radeaux, oui, oui. Ah bah, c'était une vieille idée, effectivement. Et c'est super de construire quelque chose et d'aller sur l'eau. C'est surtout que c'est toujours des épreuves surprises. Donc quand ils arrivent, ils sont très très étonnés de voir ce qu'ils ont à faire. Quoi. Il y a un côté Koh-Lanta quand même dans ce raid. Ouais, il y a un petit côté Koh-Lanta, il y a un petit côté découverte du patrimoine, des chemins, etc. Et il y a 100 personnes à peu près qui sont nouvelles. Et effectivement, ils nous disent, on pensait que c'était plat à sens. Et ils disent, mais c'est de l'incroyable, c'est de la haute montagne. Quoi. C'est très très vallonné. Quoi. Donc, il y a tout ce qu'il faut en fait. Et on a un terrain de jeu qui est exceptionnel pour ce genre d'événement. En plus, avec Jacques, là, qui a bossé comme un dingue. Le président qui a bossé comme un dingue cette année. Je veux dire, on a fait des roadbooks, zéro erreur dans les roadbooks. Ça, c'est exceptionnel, ils nous disent. Et puis, des enchaînements, des variations. Des ravitaux, des épreuves surprises, donc voilà, ils sont... Alors, on est à Villeneuve-sur-Yonne, aujourd'hui on a Sens, et des remerciements, j'imagine, à faire au niveau des communes. Alors oui, bien sûr, on remercie la ville de Sens d'avoir accepté qu'on fasse l'arrivée ici, en plein milieu, au niveau de la cathédrale. Donc un grand, grand merci de la ville de Villeneuve, effectivement, qui nous a autorisé, et les vénères qui nous ont autorisé à naviguer sur Lyon. Ils nous ont ouvert la plage, la ville de Villeneuve nous a ouvert le musée de la gendarmerie. Moi, j'y suis jamais allé, tous les raideurs y sont allés, donc c'est assez exceptionnel. On devait aussi aller dans les charpentes de la porte nord, la porte de Sens, mais finalement, il y a des travaux, on n'a pas pu. Et on a été au lavoir du Puy d'Amour qui n'est pas ouvert au public. L'année dernière, rappelez-vous, on était allé dans le caveau de la cathédrale. Donc on est capable de faire découvrir des choses exceptionnelles en plus du sport, du vélo, de la course à pied. Quand la culture est liée avec le sport, c'est magique. Ah oui, c'est tout à fait magique. Et ce qui se passe, c'est que tous les raideurs, ils vont avoir une vision de Sens,
Lyon, du nord de Lyon, complètement différente de ce qu'ils pouvaient penser. Et ils nous ont dit, parce qu'il y a une CEO City dans Villeneuve, cette ville, elle est splendide, elle est très très belle. Et merci de nous l'avoir fait découvrir. Merci Alain, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve à Paron tout à l'heure pour la remise des trophées, savoir qui a gagné au fond de ce raid. Allez, restez connectés sur TomTomTV. À tout à l'heure.